السلام عليكم. هكذا أراك يا فرنسا عارية أمام دول العالم. لن أتكلم هنا عن كأس العالم، ولكن أتكلم عن خلفياتي وما خلف وراءه في بلدي. الكل من كتابك وصحفيك الغير عنصريين تكلموا عن عنصرية فرنسا ضد لاعبيها وضد الأفارقة ككل وعن المغرب خصوصا. يا فرنسا، كيف لك أن تتحدثين عن حقوق الإنسان وأغلب شعبك يعيش بأقل من 300 يورو شهريا، ومنه من لا يأكل طعام الغداء إلا مرة كل أسبوع بشهادة أحد برامجك مرة في تلفزتك؟ كيف لك ذلك وترغمين الأفارقة بالعيش في خيام بجانب حاوية الأزبال؟ يا فرنسا، كيف لك أن تتكلمي عن الرشوة وبعض برلمانيك غارقون فيها واتهمت قطر بذلك؟ يا فرنسا، كيف لك أن تحقدي على قطر وتلفقي له تهما لا أساس لها وحرضت كذلك الدول الغربية، بينما الدول الباقية كأمريكا كلها والخليج وأسيا وإفريقيا تؤيدها وتشجعها، خصوصا لتنظيمها كأس العالم الذي قال أحد مهرجك إن فرنسا هي من باعت كأس العالم لقطر؟ هذه فقط مقدمة وغادي نرجع لك. لنستمع إلى العنصريين أولا ثم بعد ذلك سنرى، لنسمع زمورو ورباتو. Que quand la liesse populaire se répand au Maroc, ça se passe très bien. Le roi se trouve au milieu, etc. Quand ça se passe en France, ça finit par des émeutes et des affrontements avec la... À chaque fois, certains supporters qui se permettent des débordements qui sont intolérables. Et on a un peu le sentiment chez certains supporters marocains qu'ils sont plus habités par un sentiment de revanche à l'égard de la France que par un esprit sportif. هذا الزنديق حقود وعنصري، وكما قلت سابقا فرنسا تتخوف من انتقام الدول التي استعمرتها سابقا. ونستمع إلى ردة فعل هذه السيدة وهذا السيد على هذا الخبيث. Éric Zemmour, Jordan Bardella, quand ils font ce genre de réflexion sur la rencontre France-Maroc, ils parlent à qui ? À leur base, sans doute, à une base électorale, un socle électoral. Est-ce qu'il parle à la majorité des Français dans le moment que nous traversons en ce moment ? La question peut se poser parce qu'on sent. وهناك صنف آخر لا يحترم لا الدول ولا الشعوب وينسى كل ما يجري في بلاده ويتهم الآخرين. Le Maroc, qui fait ce soir la fierté du monde arabe, connaît l'un des pires replis autoritaires et répressifs depuis des décennies. Et cela te regarde encore, espèce d'idiot. Ça ne te regarde ni toi, ni ta maman France. Ni le peuple français, ça ne regarde personne, ça ne regarde que le royaume du Maroc. Vive le Maroc. وارجع الى السيد بونيفاس الذي اعلى الفرنسيين او بعض الفرنسيين تجاه الافارقه، ولو ان هذا معروف لكن شاهد من اهلها. Entre les Ukrainiens qui sont les bienvenus et ceux qui viennent d'Afrique qui ne le sont pas. Bon, c'est pas seulement un problème national. On sous-estime l'importance que ce type d'interpellation, que ce type de réflexion a sur notre image dans le reste du monde et en Afrique. Il est assez contradictoire de s'interroger assez durement sur le fait pourquoi nous sommes moins populaires en Afrique, pourquoi la Russie peut nous tailler des croupières avec Wagner ou autre, pourquoi la propagande anti-française arrive à fonctionner et ne pas s'interroger sur la responsabilité de ce type de débat que nous avons. Parce que ce député qui crie qu'il rentre en Afrique, eh bien, pour tous les Africains qui écoutent cela, et nous sommes dans un monde globalisé, nos débats internes ont des répercussions internationales, et ils sont écoutés. Pour tous ceux qui seront... Parce qu'à Boniface, au fond, ça reflète quelque chose. Oui, alors bon, bien sûr, il y a effectivement des insultes, y compris en France, racistes contre les joueurs qui ont loupé le penalty et qui sont noirs. Mais globalement, quand même, le football, ça a plutôt été la fête de la fraternité. Regardez... أسجل هنا بكل فخر واعتزاز هذه المداخلة لصالح الفريق الوطني المغربي من طرف السيد بونيفاس. شكرا لك. Effectivement, on peut être fier lorsqu'on est marocain, c'est que le Maroc a représenté tous les espoirs, non seulement du continent africain, mais également du monde arabe, puisque le Maroc est ce pays dual, à la fois arabe et africain. Et pour la première fois, un pays africain et un pays arabe a atteint le stade des demi-finales d'une Coupe du Monde. Et on voit bien que, alors que le long monde arabe est profondément divisé, eh bien là, tous les Arabes ont soutenu le Maroc, donc il y a une sorte d'unité par le football du monde arabe. ولا أتعجب إذا ذكر السيد بونيفاس قطر بالخير، وذكر المذيع أيضا ذكره بتضامن جميع الدول
جميع الدول الإفريقية الآسيوية والأمريكية، كل أمريكية كاملة كأمريكا باستثناء الدول الغربية، وأولهم فرنسا الحاقدة على قطر وعلى العرب والمسلمين ورئيسها الأول الحاقد على الإسلام وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم. لنستمع إلى السيد بونيفاس. Qatar était très critiqué pour les raisons que vous avez invoquées dans les pays occidentaux, mais pas dans les pays asiatiques, pas dans les pays latino-américains, pas dans les pays africains. Et donc, il y a eu une attitude dans les pays de l'Ouest occidentaux, une attitude tout à fait différente. Et donc, le Qatar a été extrêmement critiqué, effectivement. On a beaucoup parlé du Qatar, c'était le but. Mais il a été aussi beaucoup critiqué en France, en Europe, mais dans le reste du monde, on a plutôt vu le succès. Et donc, pour l'influence du Qatar, disons, dans le monde, et notamment en Afrique, en Asie, et voire en Amérique latine, c'est une bonne chose. En Europe, effectivement, il y a eu quelques désagréments, il est plus connu. On peut dire aussi que l'affaire de la corruption au Parlement européen n'est pas très bien tombée pour l'image du Qatar en pleine Coupe du Monde. Et donc, en fait, au final, je pense que cette Coupe du Monde a apporté quelque chose au Qatar parce qu'il a prouvé qu'il pouvait l'organiser. Oui, oui, mais et en même temps, est-ce qu'il n'y a pas une hypocrisie? Enfin, voilà ce que j'attends. C'est l'hypocrisie française et de certains Français. Hypocrite. Rien de plus. Hypocrisie à 100% française.